Bon matin comme ça, fraîchement, on vous avez déjà sur les kickers, on sent que ça va être une course qui va partir assez fort. Bah c'est vrai que ça va commencer assez vite et ça va finir assez vite d'ailleurs. Il n'y a que 93 km, donc ça va être très très court. Et ouais, bah on a dû se lever tout très très tôt ce matin, donc ça pique un peu, mais voilà, faut se mettre dans le mood assez rapidement. Comment vous allez? Début de saison, comment est la forme? Bah je pense que ça va plutôt bien. On verra aujourd'hui, on verra les semaines à venir aussi. C'est vrai que cette année, je trouve que c'est un petit peu différent. Toutes les filles sont déjà vraiment en forme dès le début de saison. Donc c'est vrai que pour se comparer par rapport à l'an dernier, c'est un petit peu compliqué aussi de jauger parce que bah voilà, les filles non plus sont pas dans leur même état de forme que l'an dernier. Donc voilà, faut essayer de se comparer à soi-même plutôt que de se comparer aux autres aussi pour pouvoir évaluer. C'est dû à quoi ça? C'est dû à un bel hiver. On a eu un meilleur hiver cette année que l'an passé. C'est dû aussi peut-être à un calendrier qui change, qui est de plus en plus fourni en début de saison. Ouais, je pense que c'est. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, bah, il y a l'organisation des équipes. Il y a de plus en plus d'équipes féminines qui se professionnalisent. Et puis voilà, on parle aussi de bah, plutôt d'égalité qui est en train d'arriver entre les hommes et les femmes. Donc voilà, je pense que si les filles peuvent se dire qu'elles peuvent vivre du cyclisme de plus en plus, donc ça les met aussi dans une bonne spirale pour bosser à fond. Pour reparler d'aujourd'hui, à quoi on s'attend aujourd'hui? Il y a une très forte équipe Movistar, on connaît le parcours, on l'a vu l'an passé, il est très difficile. À quoi s'attendre? Je pense que ça va être compliqué qu'il y ait des échappées en début de course parce que ça va rouler très très vite. Moi, je vois bien le même schéma un peu que l'an dernier. Ça va sortir en costaud dans la deuxième bosse. Et puis bon, voilà, ça va se faire à la pédale et puis c'est le peloton qui va choisir hein, si ça revient sur l'échappée ou pas. Donc moi je vois ce scénario mais il faut s'attendre à tout aussi. C'est un scénario qui vous plairait, ça vous va? Faire la différence dans la bosse et puis après peut-être un peu plus tactique dans le final? Ouais, je pense que ça pourrait m'aller. Après, faut voir aussi bah, qui y a en face aussi. Et il y a du beau monde, donc on verra comment les gens me répondent. Merci beaucoup, bonne Merci. course! Ciao.